Salut la compagnie, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans mes montagnes et je profite de cette sortie de la journée pour vous présenter le sac que j'ai sur le dos. Ok, donc ce sac m'a été envoyé par la marque Soloniac afin que je puisse le tester et leur donner des ressentis et également des améliorations possibles. Donc ça fait plusieurs mois que je le teste, que ce soit pour des bivouacs, pour des randonnées, mais également pour le travail, donc au quotidien. Alors à la base, Soloniac est une marque qui vend une large gamme de produits pour la chasse. Mais je pense que ces produits-là peuvent être très compatibles avec nos pratiques également de bushcraft et de survie. Alors ici, on est sur le modèle X-Access 30, 30 pour 30 litres. Ce qui est super sur ce sac, c'est qu'en fait, il y a 30 litres, mais on peut nettement améliorer sa contenance en rajoutant des poches, puisque vous pouvez retrouver sur tout le long du sac des passes en molle. Vous pourrez trouver ce sac aux alentours de 40 euros, donc on est sur un sac qui n'est pas excessivement cher. Donc si je peux vous décrire en quelques mots ce sac, alors déjà on peut parler un petit peu des poches. Donc il a une grosse poche principale qui représente le corps du sac. Deux poches latérales ici élastiques assez grandes, on peut y mettre les gourdes. Comme c'est un sac qui a été initialement conçu pour la chasse, vous avez un dispositif vous permettant d'accrocher votre fusil. Donc ici une petite poche en dessous permettant d'accrocher la crosse. Et ici, le canon. Comme je vous le disais, vous avez des passes en molle de chaque côté, mais également sur les poches ventrales. Donc ici, vous avez également des passes en molle. Donc deux poches ventrales assez grosses. Et à l'intérieur du sac, vous avez une petite poche zippée. Ok, alors même si le sac est conçu avec un tissu déperlant, Soloniac a eu l'idée assez originale de planquer une housse donc de pluie pour le sac, juste ici. Alors voilà un simple sursac de couleur orange fluo, camo toujours, permettant de protéger notre sac de la pluie. Pour ce qui est de l'appui dorsal, nous avons des mousses d'environ 20 mm, des mousses en polyester qui permettent un bon confort. Donc il y en a là deux bandes sur le dos, mais également sur les poches ventrales. Et à l'intérieur du sac, on a une plaque en plastique rigide qui permet de gainer tout le sac. Alors on est sur un tissu assez résistant puisque le tissu est un tissu 600 deniers. J'ai eu l'expérience par mes sorties, etc., de des fois glisser et dévaler des pentes sur le sac. Et franchement, il n'y a pas eu de déchirure ni rien. Donc ça, c'est très sympa, surtout en vue du prix. J'aime assez bien vous présenter du matériel qui n'est pas trop cher, qui est accessible à tout le monde. Tout le monde ne peut pas s'acheter forcément du matériel qui est très onéreux. Ici, on a un sac qui n'est pas très onéreux, qui est raisonnable et qui a une qualité qui vous permet de vous faire vraiment plaisir dans vos sorties. Je suis quelqu'un de très adepte de clarté dans le rangement du matériel et ce sac ne possède pour moi pas assez de poches qui permettent de compartimenter son matériel et son paquetage. Je m'explique. Par exemple, pour moi, un sac doit toujours avoir une poche sur le capuchon. Il permet de ranger une lampe frontale ou des biscuits, etc., des choses rapidement accessibles. Ici, nous n'avons pas ces poches-là. Également, nous n'avons pas de poche latérale. Donc en fait, vous allez tout ranger dans le tronc principal de votre sac. Finalement, lorsque vous aurez besoin de peut-être d'un outil ou d'un matériel, eh bien, il va falloir chercher assez longtemps dans votre sac puisqu'il se sera toujours mis au fond et vous verrez que c'est toujours le matériel que vous avez besoin qui se sera mis au fond. Donc c'est vraiment ce que je trouve dommage sur ce modèle de sac. Sachant que je pense que ça n'aurait rien coûté de plus de rajouter une petite poche sur le capuchon. Ok, il est midi et demi, c'est l'heure de manger les amis. Ah. Bien sympa ce nouilles chinoises.
Ok, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires. Pour ce qui est du sac, je vous mets tous les liens correspondants dans la description. Je tiens à remercier l'équipe de Soloniac pour le test de ce sac. N'hésite surtout pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. Et moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut.